Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Aujourd'hui, je vais vérifier une barre d'éclairage, la barre d'écran de chez Benq. Mais avant tout, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez pour mes vidéos et pour ma chaîne. D'ailleurs, on est presque 10 000 avec plus de 1 million de vues et ça fait vraiment plaisir. Je remercie également Benq d'avoir envoyé ceci pour un examen et une présentation. D'ailleurs, vous pouvez consulter l'intégralité de l'examen écrit lien dans la description ci-dessous. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Eh bien, allons-y pour la présentation. La barre d'écran est un peu comme une lampe de bureau avec la lumière LED, sauf qu'elle se trouve sur le dessus de votre moniteur. Elle a une pince qui est faite en polycarbonate d'aluminium très agréable. Il y a un peu de poids, mais avec un support en plastique, donc il n'y a pas de souci ou de risque de chute. Vous pouvez même tirer sur le câble en sent bien la qualité de construction, qui est très solide et qui est excellent. Le câble qui est inclus est un câble micro USB et qui est alimenté par USB afin que vous ne souciez pas de l'utiliser. Point de vue très agréable, très rationalisé, on pourrait même le brancher directement sur mon moniteur si je le veux. Ça reste un choix, mais je recommanderais l'utilisation sur le PC directement. Et surtout, ça reste esthétiquement parfait. Mais également avec un bon ampérage, car la barre d'écran Benq demande un minimum 1 ampère. Niveau commande, il n'y a que 4 boutons tactiles qui changent des boutons physiques. Celui-ci vous permet de changer la luminosité. Celui-ci vous permet de changer la couleur ou la température. Il y a une lumière ambiante avec un capteur en haut. Et il y a un réglage pour allumer le capteur de lumière ambiante, un bouton de remise d'éclairage par défaut et le bouton marche arrêt. La lampe peut être inclinée jusqu'à 10 degrés de façon d'ajuster l'éclairage sur votre plan de travail avec une durée de vie de 50 000 heures de quoi l'utiliser sur plusieurs ordinateurs. Au niveau des dimensions, ça reste moyen puisque la barre fait 45 cm environ. Je vais éteindre les lumières principales, donc des tonnes de lumière sur votre bureau très uniforme avec un éclairage sans scintillement pour un éblouissement nul. Je travaille dans un endroit très sombre, dans la chambre, donc le fait que cette barre de chez Benq se trouve sur le haut de votre moniteur est très innovant et assez ingénieux. Il n'y a pas d'éblouissement car vous pouvez incliner juste comme ça, alors voici une bonne luminosité avec le contrôle que vous pouvez obtenir sur cette barre à LED de chez Benq. On a la possibilité de changer la luminosité très rapidement pour passer d'une température 6500 Kelvin qui va être une température fraîche et une température de 2700 Kelvin qui va être chaleureuse. C'est un agréable chaud la nuit pendant que vous arrivez du travail. Ça peut donner une excellente ambiance qui peut être et qui peut vous donner réellement envie de s'endormir. Donc ça peut vous affecter. Fondamentalement, cette barre d'écran permet de protéger vos yeux et vous donner le confort maximal possible. Benq semble se soucier beaucoup de deux choses. La première chose est votre vue et la deuxième chose, c'est la planète et son écosystème. En tant qu'entreprise, c'est merveilleux de la part de Benq. Le point négatif est qu'en mettant la barre d'écran Benq et le fait
qu'elle monopolise le haut de votre moniteur. Donc attendez-vous à mettre votre webcam par exemple soit en dessous de l'écran ou sur le côté. Mais vous savez tout, cela reste mon avis personnel. Donc si vous avez cette toute petite barre d'écran Benka, ça va être d'une grande aide pour vous. N'hésitez pas de donner votre avis personnel concernant cette barre de lumière ou juste par rapport au système de fonctionnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ces cas-là, j'invite tout le monde de mettre un like et surtout pour les nouveaux de s'abonner pour voir les prochaines vidéos. Et puisqu'on parle de la prochaine vidéo, une surprise vous attend. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.